Hey, bonjour YouTube et bienvenue sur cette vidéo spéciale en vue du nouveau jeu F1 24 qui va sortir sur console et sur PC officiellement le 31 mai prochain. Il faudra attendre donc 6 semaines avant de découvrir les nouvelles facettes de ce jeu d'EA Sports et de Codemaster que j'ai inévitablement précommandé comme la majorité des fans de Formule 1. Dans la description du jeu Steam, il est mentionné que nous pourrons vivre 1. Une nouvelle expérience dans le mode carrière pilote et 2. De nouveaux comportements dynamiques de la monoplace et du moteur physique. Très peu d'informations. Très peu dévoilant, donc je suis extrêmement curieux de voir qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans ce jeu. C'est pour ça que j'aimerais vous proposer mon top 10 des nouveautés, des idées que j'aimerais voir sur F1 24 ou lors des prochains jeux, lors des prochaines années. N'hésitez pas à écrire en commentaire justement vos propres idées ou de dire ce que vous pensez des miennes. Si tu apprécies ma vidéo, un petit pouce bleu serait généreux de ta part ainsi que de t'abonner pour ne pas manquer mes séries et mes vidéos de Formule 1. En 10e position, et bien dans mes séries, j'ai littéralement abandonné l'idée de calculer le nombre de victoires, de pole positions, de podiums, ou même de courses réalisées par les pilotes. C'est pour un fan comme moi, de statistiques complètes et approfondies, il y a une section record, c'est le minimum, ou encore en anglais on dit des milestones, hein, qui mentionne des courses particulièrement importantes à des moments pour certains pilotes qui pourraient être plus intéressants, qui font la différence dans sa carrière, dans ses statistiques. Donc, ce sera une expérience de plus pour un fan de Formule 1 d'avoir ses statistiques avancées. Arrêtez de me présenter également avant le tour de formation le pilote en 15e place sur la grille de départ au dernier Grand Prix de la saison, alors qu'il n'est même pas dans le maudit top 10 au classement pilote. Ça n'a pas rapport. Fait qu'avec cet ajout de statistiques, ben, ça pourrait aider à la pertinence des informations divulguées pendant le jeu, peu importe le mode joué, que ce soit le Mon Équipe, hein, le My Team, ou le mode carrière, My Career. En 9e place, il est peut-être loin dans mon top 10, mais au niveau du réalisme, je suis vraiment tanné de voir un pilote être 22e, voir les voitures de devant devenir des fantômes à cause d'un accident, puis se retrouver en 8e place après ça. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Je sais que dans le mode multijoueur, multiplayer, il est possible de le retirer, ce fameux ghosting, hein, le mode fantôme, mais pourquoi ne pas offrir la même option dans le My Team ou encore le mode carrière? Ça serait tellement facile et c'est pour ça que je le place en 9e position dans ce top 10 des idées pour F1 2024 ou les prochains opus. En 8e position, ça fait déjà 4 saisons sur F1 23 que je vois la même foutue animation lorsque le champion du monde est dévoilé. Tu sais, il y a les fameux donuts sur la piste, puis c'est tout, voilà. Je sais qu'il en existe une autre où on voit justement le champion être célébré avec les médias. Hein, ça devrait être elle automatiquement, puis c'est pas normal que je l'ai pas vu en 4 saisons de My Team. Le pilote qui gagne le titre de champion au dernier Grand Prix, exemple en finissant en 3e place sur le podium, puis là, l'animation, c'est comme si de rien n'était. Hein, on oublie rapidement, comme exemple, une célébration comme Jacques Villeneuve lorsqu'il avait remporté derrière les McLaren en 1997, il était en 3e place, il a été soulevé par les autres joueurs. Bref, ça prendrait de la diversité, ça serait bienvenu. En ce moment, nous pouvons faire des saisons de 10, 16 ou 23 Grands Prix. Ça serait bien de pouvoir choisir le nombre de courses pouvant être réalisées et surtout son ordre. C'est un mode calendrier plus libre pouvant permettre des courses finales différentes que le classique Abu Dhabi. J'imagine exemple le Grand Prix du Canada comme dernier GP avec Lance Stroll à une seule victoire du titre. Bon, je préférais voir Lando Norris être champion du monde si vous voulez savoir qui je supporte depuis plusieurs années. Mais bref, laissez-nous personnaliser la saison et le calendrier sans mode, s'il vous plaît. En 6e position, eh bien, sans surprise, l'addition des contrats qui est très peu développée dans le jeu F1 23. Et parfois, c'est même juste irréaliste. Quand je pense au salaire, là, comment ça se fait que ma coéquipière, qui termine toujours dans les bas-fonds de la course, hein, dernière, demande 6 millions après 3 saisons exécrables avec aucun point? Il devrait y avoir un rapport de performance ou encore de répondre aux objectifs de l'écurie en lien avec la performance individuelle. Bref, j'aimerais bien voir aussi les écuries nous faire des offres dans le mode carrière. Un My Team, moins compréhensible, moins logique. Mais le mode carrière, le My Career, il faudrait. Et pourquoi aussi ne pas pouvoir signer pour plusieurs saisons? C'est définitivement un sujet qui peut être amélioré au fil des prochaines éditions du jeu. J'aimerais beaucoup voir justement des contrats à plus long terme. Ça amènerait de la sécurité pour certains pilotes. Et aussi, ça pourrait changer les dynamiques, changer les stratégies en termes d'économie et aussi en termes de jouabilité. En
En cinquième position, ben ceci a déjà été mentionné par le passé par d'autres YouTubeurs, mais des décisions d'équipe pendant la piste, durant la course, ça ferait la différence en termes de comportement dynamique. Là. On parle justement d'ajustement, de nouveautés, et ça prend ça. Est-ce qu'on va enfin avoir des nouvelles de demandes par les pilotes, autres que juste changer la stratégie des arrêts au puits? T'sais, comme dans, est-ce qu'on pourrait avoir des ordres comme défendre à tout prix, pardonnez-moi, ou attaquer comme dans F1 Manager? Ça serait vraiment intéressant. Bref, de meilleures stratégies offertes par le jeu. Ce serait sans aucun doute un gros plus pour le mode My Team ou le mode carrière avec l'intelligence artificielle. En quatrième place, bien, imaginez-vous un incident impliquant Lewis Hamilton et Max Verstappen pendant votre saison régulière et soudainement, à la course suivante, il y a une pénalité décernée au fautif du contact, comme ce fut le cas avec Villeneuve-Schumacher, par exemple, en 1997. Ça pourrait tellement ajouter beaucoup plus d'action, autant pour les joueurs que pour les situations entre IA, entre intelligence artificielle. Évidemment, il faudra doser, mais ça pourrait être un aspect intéressant pour les créateurs de contenu de Formule 1. Possibilité de l'activer ou non, hein, j'aimerais bien avoir ce choix. Ça serait vraiment intéressant pour changer également le rythme des saisons et également qu'est-ce qui pourrait se produire. Hein? Il pourrait y avoir d'innombrables, incalculables situations, scénarios qui pourraient vraiment chambouler votre saison dans le jeu F1 24 ou les prochains opus. En troisième position, bien sérieusement, des médias plus développés. C'est terrible à quel point dans F1, c'est ridicule. T'sais, les rivalités entre les deux pilotes pour de la popularité, là, parle-moi pas de ça. Là. C'est vraiment c'est très, très, très peu développé. Contrairement aux franchises comme Madden, NBA ou NHL, qui ont déjà bien avancé dans la bonne direction à ce sujet. Et encore, hein, ça pourrait ajouter du réalisme à l'expérience du joueur. Puis si on ajoute les médias avec des événements d'après-course, hein, qui est mon point précédent, ou même pendant la course, ça pourrait vraiment influencer certaines situations. Le potentiel est infini si on décide d'utiliser des médias qui pourraient avoir une influence davantage sur le mode My Team ou le mode carrière. En deuxième place, eh bien, une carrière de plus de 20 saisons, ou du moins 20 saisons. Hein. Ça fait déjà 3 ans que je fais des My Team ou des carrières sur les versions de F1 et je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir faire plus que 10 saisons. Impossible de rivaliser avec les statistiques historiques de certains pilotes. Je pense à Michael Schumacher avec 19 saisons à son actif ou encore Fernando Alonso qui est toujours un pilote actif depuis 2001 hein, qui réétablit des records. Seulement 10 saisons, c'est insuffisant à mon sens pour expérimenter la vraie légende d'un pilote, sachant que d'autres jeux sportifs dépassent ce chiffre. C'est définitivement une nouveauté que je veux voir et que je veux pouvoir réaliser, surtout pour ma chaîne YouTube, hein, moi qui fais du roleplay, que ce soit en ce moment avec Trace de Break et l'écurie en fait Cornet Racing Team, j'allais dire le mode My Team. Mon numéro 1, mon top 1, eh bien, c'est mon drapeau. Je termine évidemment avec mon préféré et probablement le moins marquant du top 10. Mais avoir le drapeau du Québec au même titre que celui de l'Écosse serait un honneur. Sachant qu'on peut le remarquer dans le jeu lors du Grand Prix du Canada à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve, c'est un ajout facile qui ferait le bonheur de bien des partisans de Formule 1 québécois, dont moi. Bref, c'était mon top 10 des idées que j'aimerais voir sur le prochain F1 24. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous d'autres idées? Quel serait votre top 10 à vous, chers fans du jeu? Sur ce, si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, ciao, les cornets!